Salut, c'est Moggy. Salut. Ah, si ça marche. Salut, c'est Aspirateur. Salut, c'est Aspirateur, oui. Salut, c'est Asselani. Non, mais je traîne trop avec des losers. Salut, c'est Bokilo. Altered Beast. Rise from your grave. Je l'ai fait version française parce que quand j'ai joué à ça, j'étais petit et on comprenait rien. C'était Rise and Rain. La boule. Voilà. Eh ben, nous on comprenait quand on était petit. Alors, on savait pas ce qu'il disait. Il dit power up. On a compris. Il y a que récemment qu'on a compris qu'il disait power up. Donc. Alors. Non mais c'est l'excitation. C'est quoi le... Ah attention, vous voyez, bien musclé. Oh, toute tension, viril. Alors c'est quoi l'histoire? C'est... Bah je sais pas, Zeus tout d'un coup il se vénère. Si Zeus il se vénère et... L'histoire avec une greluche. Parce qu'à la fin du jeu... Bon spoiler. Parce qu'à la fin du jeu... Non en fait, parce qu'à la fin du jeu en fait, on... Je me rappelle qu'on... Il y avait un piaf, c'est qu'il vole, et après, hop, il se retransforme en sa copine. Alors le truc, c'est que quand on joue à deux, et qu'on finit de jouer à deux, ben, on suppose que les deux, ils se tapent la fille. C'est à la fin, est-ce qu'il sauve la fille. Alors bon, là, vous avez pas vu la scène, mais vous avez vu, le mec qui était là, c'était Hadès, puisque c'est lui qui a enlevé la nana. Hadès, le roi des enfers. Et il avait des foudres devant lui, des arcs des électriques. Et si vous n'étiez pas transformé en loup-garou, power up à x3 à fond, donc, et bah il s'en allait, il fallait continuer le stage. Ah ouais, mais à fond, hein. Après, on le voit parce qu'il y a des moments où on n'avait pas justement tous les deux les super méga pouvoirs. Là aussi, vous voyez, quand on nous enlève nos super pouvoirs, nos fringues se recollent, hein, quand même. Ce qui est pas mal, hein, franchement. Attention, scène cinématique. T'as appuyé sur... Quel con! Alors, à chaque stage, on avait sa transformation. Donc, c'est facile. Pour le premier stage, on est en loup-garou super rapide. Le deuxième stage, on est en dragon. Contre un œil, un multi-œil. Et après, il y avait l'ours. Et après, il y avait une sorte de tatou, je sais pas quoi. Un tigre, ah oui, il y avait aussi. Et, ah non, un tigre-garou. Un tigre, pas un tatou. C'est Ilogo. Alors, et à la fin, on se transformait en Ilogo Garou. Ah, c'était horrible. Et il y avait un code, il y avait un génial code qui permettait de choisir sa transformation suivant le stage. Alors, du coup, l'avantage c'était de se mettre toujours en dragon parce que dragon il vole. Ce qui était très con aussi, c'est que pour accéder bah, genre à l'écran options, il fallait pendant la page de présentation appuyer sur B et T en même temps. Sinon, tu pouvais pas accéder au truc. Et tu pouvais récupérer de la vie, tout ça, machin. Et il y avait un truc qui que je trouvais toujours triste, c'est que le deuxième joueur il avait toujours des couleurs trop moches. Tu sais, pour ces trucs, genre le loup-garou il était. Du premier niveau, j'ai compris. Tu vas nous dire que quand t'étais petit, t'étais toujours le deuxième joueur. J'étais petit, donc je me suis fait traumatiser et tout. Donc, il y avait aussi une technique pour tuer le deuxième boss ultra vite, genre en une seconde. Et je crois que là on le fait. Non, c'est même pas. Ouais, aussi, mais ou alors c'est ça, genre il fallait se mettre vers le haut de l'œil et tout. Et tu tues genre en une seconde, c'est le deuxième boss. Enfin, t'as même pas le temps de le voir. Surtout que lui, il doit parce qu'il a plein de yeux. C'est un boss à plein de yeux. Alors voilà, là cette fois-ci, là il va accepter. Et alors le dragon, c'est tout naze. Hein. Alors ce jeu, il est sorti dans les premiers jeux de la Mega Drive au Japon, donc en 88. Et quand on l'a eu en France, surtout en bundle avec la console. Donc voilà la technique. Ouais, c'est comme ça que la majorité des joueurs français l'ont eu en réalité. Parce que bon, bah. Il est pas accepté. Il est sympa à faire en fait. Hein. Bon. On le fait une fois, après on est vite saoulé parce que bon, alors deux bourrins au début qui sont déjà baraqués, à chaque fois qu'ils tapent des pauvres bestioles qui n'ont rien fait de mal, deviennent encore plus baraqués et pire, deviennent des gros mutants. Ouais, non mais en plus, regardez, à la base c'est des mecs, ils sont morts. Donc déjà, ils ont rien à voir avec la vie, d'une part. D'autre part, ils se lèvent, et ils se lèvent dans un cimetière, et ils éclatent tout le bestiaire du cimetière. Je veux dire, le bestiaire est chez lui, quoi. Mince, le cimetière au bestiaire, hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils trouvent à faire une fois qu'ils sont réincarnés? Ils vont en enfer, dans le monde des morts. Bah, Zeus, il a rien à faire. Hein, je veux dire, c'est la grande question dans les jeux vidéo. Qui est réellement l'ennemi? Êtes-vous l'agresseur, l'agressé? C'est vrai, je veux dire.
Ah non mais laisse tomber. Voilà, il m'a bien fait cet avant. Voilà, c'est. Ah ça regarde. En plus les chiens à droite. Oh voilà, une nounours. Nounours. Alors et voilà et voilà. Et moi je suis bleu. Et là je suis bleu. Qui c'est qui avait un ours bleu? Qui c'est qui avait un ours bleu ici? Moi des fois. Moi j'ai vu la marmotte Camille. Alors il y en a un, alors le, l'ours bleu déjà ouais, merci Sonic, mais en plus leur pouvoir c'est de puer de la gueule. D'une part, j'ai vu le gomme des bubblegum. Ce qui est marrant c'est qu'ils sont mignons. C'est ça que je parlais quand je disais les tatous, c'est qu'ils se mettent en boule. Tu vois, ils sont enfin, c'est ça l'amalgame. Enfin bon, en gros voilà, je veux dire, mais vous l'avez mis en facile le jeu, c'est pas vrai. C'est pas la télé. En normal, c'est en normal ouais. Le jeu c'était hyper facile les boss. Les boss c'était vraiment le premier qui meurt a perdu donc fallait y aller à la bourrin et utiliser tous ses pouvoirs. Ouais, apparemment je m'en souviens plus d'où parce que bah j'ai fait il y a trop 30 ans mais il me semble que quand tu finissais une première fois bah je m'en souviens bah je sais qu'il me semble qu'il fallait le recommencer une deuxième fois enfin qui te ramenait genre au premier niveau et que c'était plus difficile ou alors je confonds avec un autre jeu. Hein il me semble que tu étais en loup d'or pour tout le jeu du coup t'étais bah c'est la transformation du dernier niveau non je sais plus du tout. Ah ouais c'était la classe ou loup d'or. C'est ça, mais ou alors je confonds avec un jeu parce que je m'en souviens plus du tout. Attends, mais vous allez finir le jeu là? Non, malheureusement on est arrivé au dernier niveau, mais la vidéo en fait était trop courte. Bah, il faut continuer dans ces cas là, ça fait une soluce complète. Soluce complète de Horror. Alors, la version arcade, elle est pas forcément mieux. Hein, j'ai déjà essayé sur émulateur parce que le jeu il est sympa, le concept est cool quoi. C'est juste qu'il manque quelque chose quoi, il manque des. Attention, un petit détail, vous voyez qu'il y a une statue derrière, c'est le boss de fin. Spoiler, c'est le boss de fin, la statue, c'est le spoiler. Alors attention, il y a le coup de pied allongé, tu vois là, il donne des coups de pied, et puis quand il s'allonge, et bah il donne des coups de pied vers le haut. Et c'est genre, c'est vraiment des lutteurs quoi. C'est très gay, c'est gay friendly je trouve. Hein, c'est... Regarde, attends, allonge-toi, il y en a un qui s'allonge et qui donne des coups de pied. Ah non, des coups de poing, dommage. Oh, tigre! Alors, cette transformation, c'était ma préférée. Juste parce qu'on était des tigres de Garouz. Waouh, c'est trop cool! Par contre, ils. Ouais, ça, je crois que ça cool. Mais le loup-garou, c'était vraiment le truc de ouf, quoi. Non, moi, c'était mon préféré, c'était le dragon. Le dragon, tu volais, t'étais tranquille. En plus, t'as un arc de ouais, l'électricité là, laisse tomber, il te protège, tu mets ça tout le temps, et quand t'as un auto-fire, c'est fini, hein. Le jeu, tu l'as torché. Alors, à chaque fois qu'on se transforme, la musique change aussi. Musique assez kitsch, genre c'est bon, on est les super-héros, maintenant on a tous les pouvoirs, on est bien drogués comme il faut. Ouais, on voit bien les couleurs pourries du deuxième joueur. mon pauvre Moogie. Et alors? Il a mis le manteau de Selami là. C'est vrai qu'on dirait quand même... Toi arrête de te caresser ton ventre sur mon lit, ça m'énerve. Lui là, il se caresse le ventre, Ah oui, c'est la spice qui caresse le ventre. Ça va, là on fait un moggy à Spichot sur mon lit, c'est à 4 sur mon lit. Attention, encore un boss, oui c'est un boss chez nous. Et celui-là il était plus difficile parce qu'en fait, lorsqu'on faisait le choufou, l'espèce de super attaque avec B, et ben on se bouffait sa boule de feu et elle faisait mal, donc en fait il fallait éviter. Donc ce boss-là il était, on va dire, moins bourrin que les autres boss, on va dire. Alors bon, bah l'anglais dans les jeux vidéo, ça a toujours été trop compliqué. Hein. Alors on vous dit que celui-là, il disait rah, 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 on comprenait pas. J'avais une autre anecdote comme ça avec Axelay, que j'ai compris assez récemment, vu l'âge du jeu, genre il y a 5 ans, tu vois. Genre le gars, quand tu prépares, tu finis les préparatifs de ton vaisseau, ils disent « All installation is complete ». Et nous, on comprenait rien, on dit « Mr. Plit ». Il s'appelle Mr. Pete. Alors c'est pareil que là, en fait c'est assez clair, mais c'est trop naze. Je veux dire, c'est comme Sonic Boom qui arrive à. On arrive à. C'est, alors, il dit avec fou, tout le monde dit avec fou, alors qu'en fait il fait Sonic Boom. Alors, c'est très compliqué de comprendre. Bah, c'était ça, c'est les digits. Et c'est ce qui faisait que les digits de Dragon Ball Z sur Super Famicom étaient génial. Monopoly sur NES. Oh punaise, même joueur joue encore. Punaise, la NES elle parle, en plus on comprend. Bon, c'est le dernier stage là. Oh, power up. Alors il y en a un qui s'allonge, j'aime bien le coup de pied allongé, ça fait très... Oh là là. Ah, c'est si bon, je vais te faire du mal. On le fait tout le temps, on a dit. Ça fait très gymnastique avec les mecs en body musclé et tout. Oh là là.
faut savoir qu'il y a aussi un Altered Beast qui est sorti il y a 2-3 ans, je sais pas quoi, sur PS2, qui était une sombre merde. C'était clairement une sombre merde. Pour jouer Oxymore. Attention à la licorne karatéka. Et en plus, le Altered Beast 3D, je l'ai beaucoup joué, je suis quasiment arrivé vers la fin. Et franchement, c'était du lourd, les mecs. Oui. Parce que t'es vraiment une merde. Hein. Bah, non, mais bon, pour résumer, c'est Altered Beast, ça fait partie de ces jeux qui sont attachants tellement ils sont pourris. C'est comme Ultraman, c'est comme plein d'autres jeux qu'on aime parce que c'est trop naze. Ça nous fait rire. C'est un bon moment à passer finalement. En plus, ça joue à deux. Ça, du coup, ça vieillit pas plus que ça, quoi. Regarde la musique qui change. Oh! Voilà, le c'était voilà, à tout de suite. C'est le deuxième joueur qui est en gris, donc il est en argent et pas en or. Donc il a que des couleurs de merde, le deuxième joueur. Mais c'est toujours ça, le blond, le brun, le blanc, le noir, le rouge, le bleu, c'est le bon, le pourri. Et donc à cause du deuxième joueur, ah non, c'est à cause du premier joueur qu'on n'a pas. Et on peut pas approcher Hades. Et là ils auraient pu avoir le dernier boss, mais non, il faut que l'autre il fasse n'importe quoi. Ah, eh mais vous allez finir le jeu, c'est pas possible. Non. Bon, si vous finissez pas le jeu, on va pas attendre la fin. Bon alors, à plus, ciao. À plus, ciao, je vous aime. Au revoir les amis. Tout pareil, hein. Ouais, ouais.